Une occasion très spéciale. Le chanteur Matt Pokora était l'invité d'Aurélie Casse dans l'émission Célébdo, diffusée sur France 5, ce samedi 28 octobre. Mais ce n'est pas tout. La pétillante journaliste de 37 ans a également reçu une autre célébrité, Didier Drogba. Au cours de l'échange, l'animatrice de télévision a évidemment parlé de football, et plus précisément du passé de sportif de Matt Pokora. Votre père était footballeur et vous-même, vous jouiez en national, a ainsi rappelé Aurélie Casse, avant de faire une annonce surprenante. La journaliste a en effet révélé que le grand frère du chanteur, qui a pour habitude d'être très discret, avait quelques mots à lui dire. Face à la caméra de son téléphone, Julien s'est alors directement adressé à son frère et à l'ancien footballeur ivoirien. Salut petit frère, bonjour Didier. Alors comme ça, on est sur le même plateau aujourd'hui? Matt, le grand supporter de football que tu es, le grand supporter de l'Olympique de Marseille que tu es avec un ancien très grand joueur de l'OM, a-t-il déclaré, avant de faire une petite confidence au sujet du père d'Isaïa et de Kena, est-ce que ce ne serait pas le moment pour toi de nous montrer que tu as une technique incroyable pour un footballeur amateur? Et aussi de montrer à Didier que tu aurais pu être un très bon coéquipier à ses côtés, à l'époque. Matt Pokora, Eddie Mitchell, Laurie, Zazie, Lio. Quels sont les vrais noms des stars? Matt Pokora échange quelques ballons avec Didier Drogba ni une ni deux, Aurélie Casse a emmené ses invités vers un espace aménagé dans lequel Matt Pokora et Didier Drogba ont trouvé deux ballons. Surexcité à l'idée de jouer avec une icône du football, le chanteur s'est précipité vers l'un d'eux et a commencé à jongler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la technique du petit frère de Julien en a surpris plus d'un. Au bout de quelques touches de balle seulement, Matt Pokora a impressionné Aurélie Casse. Ah oui, quand même, a-t-elle lâché, avant que Didier Drogba ne le félicite, ah, tu vois, Matt joue mieux que moi. Un moment que l'ancien vainqueur de Popstar n'est pas prêt d'oublier. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 5. I just need